Antoine Duléry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter Flics et voyous, les répliques les plus drôles du cinéma, paru aux éditions du Cherche Midi. Dans ce livre, vous nous proposez un florilège de répliques tirées de nombreux films noirs, séries télévisées à suspense et romans policiers qui nous emmènent dans une balade irrésistible en compagnie de grands infréquentables. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre « Flics et voyous » ? Alors, pourquoi ce titre ? Parce que « Flics et voyous », évidemment, comme ça traite essentiellement d'un cinéma dit policier, c'est donc les truands, les policiers, les gangsters, c'est un peu, quand on est petit, on joue soit aux cow-boys aux indiens, soit aux flics ou voyous. Enfin, flics et voyous. Mais évidemment, il y a un coup de cœur et un hommage à Flics ou voyous, qui était le film avec Jean-Paul Belmondo, qui est d'ailleurs sur les couvertures du livre, qui est un acteur que j'affectionne particulièrement, le film de Georges Lautner, sorti en 1979. Alors, ça ne s'appelle pas Flics ou voyous, ça s'appelle Flics et voyous, mais c'est un petit hommage au film de Jean-Paul qui était dialogué par Audiard, ce terrible et magnifique dialoguiste Audiard, qu'on cite aussi dans le livre, forcément. Alors quand on pense au polar, on se figure les scènes d'action, le suspense, et pourtant dans cet ouvrage vous vous concentrez sur les dialogues. Est-ce que le polar serait finalement un genre littéraire ? Ben, c'est un genre littéraire parce que d'abord c'est souvent tiré de livres de polar, hein, de polar noir, la série noire, la fameuse série noire de Marcel Duhamel qui a donné tant d'adaptations, notamment Giovanni qui a adapté beaucoup de romans et qui lui-même après s'est fait adapter puisqu'il a d'abord été auteur avant de revenir... devenir réalisateur. Donc tout, il y a beaucoup de garde à vue, je crois, tirés aussi d'un polar. Énormément de films noirs sont avant toute chose tirés des polars. Donc c'est quand même un genre finalement au départ assez littéraire. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'action. Mais on s'aperçoit que même dans les films d'action, que ce soit Die Hard, que ce soit dans les séries américaines comme Soprano, que ce soit dans Le Flic de Beverly Hills, il y a quand même aussi, ou Dirty Harry, il y a de temps en temps à la fois beaucoup d'action et aussi des répliques qui tuent, parce que ce sont des répliques qu'on envoie un peu comme une balle. C'est ça qui est marrant, il y a toujours des règlements de compte, donc les mots tuent. Souvent, avant même les armes, on peut le voir aussi dans les débats télévisés politiques qui sont très en ce moment à la mode, les gens se tuent à travers les dialogues. Et c'est vrai qu'il y a à la fois de l'action, mais à un moment donné, il y a toujours des dialogues. Quand Dirty Harry dit à un moment donné à des cambrioleurs, Clint Eastwood dit « Faites gaffe, qu'on est trois », alors qu'il est tout seul, il dit quoi à trois ? Oui, Smith, Wesson and me. Formidable. Donc forcément, l'action ne peut pas être juste de l'action, elle doit... souvent être précédé ou en tout cas annoncé par un dialogue. C'est encore plus fort si évidemment c'est soutenu par un dialogue. Est-ce que vous pensez que dans les films à suspense actuels, les dialogues revêtent la même importance que du temps de Michel Audiard ? C'est différent, mais j'ai trouvé en faisant ce livre que j'ai évidemment travaillé avec l'aide de Jean-Yves Clément. J'ai revu énormément de films que je n'avais pas vus, notamment beaucoup de séries américaines, et bizarrement, si dans le cinéma français on a un petit peu perdu ce goût du dialogue, dans certaines séries on l'a retrouvé, notamment à la télévision on a retrouvé ce goût du dialogue, parce que bon, d'abord il n'y a pas toujours beaucoup d'argent pour faire peut-être de l'action, mais on retrouve des dialogues qui sont très percutants et qui d'ailleurs traduits sont formidables, traduits en français sont vraiment formidables, donc dans Mentaliste tout ça, il y a vraiment des trucs où qui t'a appris à conduire qui t'a appris à conduire, et l'autre lui répond Stevie Wonder. Donc il y a plein de trucs assez amusants dans les trucs d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit. Donc on est revenu, peut-être plus d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, à l'art du dialogue, qu'on avait un petit peu perdu et qui était effectivement le truc très important des années 50, 60, 70 en France, qu'on a un peu perdu après pour faire un cinéma, je dirais, plus naturaliste et plus quotidien. Alors dans cet ouvrage sont recensées plus de 1000 répliques de films, de séries télévisées, de romans policiers. Ça représente un travail considérable. Comment oui, est-ce que vous avez procédé ? Écoutez, je me suis mis donc avec le Cherche Midi à rechercher. Ça m'a pris entre 6 et 1 an de relire, de mettre moi des répliques que j'avais envie d'y mettre, de voir des films que je n'avais pas vus ou des films que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Voilà, il y a eu un gros travail de recherche. Je ne l'ai pas fait tout seul au départ, parce que sinon j'aurais mis 8 ans. Mais à partir de cette espèce d'énorme groupe de recherche qu'il y a eu, moi j'ai évidemment... fait un tri, mis aussi un petit peu, vous avez vu, par des chapitres, tout ça. J'ai vraiment élaboré le livre selon mes goûts,
j'ai enlevé des choses que j'aimais moins, des choses que je trouvais moins, pas assez drôles, des choses que je trouvais parfois trop datées. Donc effectivement, ça m'a demandé, hein, je dirais, une relecture de 6 à 8 mois, voilà, quand j'avais le temps entre mes différents tournages. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-unes de vos répliques préférées ? Alors, il y en a beaucoup, il y a celle des ripoux que j'ai mis d'ailleurs à l'arrière. J'en ai marre, j'ai envie de faire un métier honnête. Quoi, tu veux quitter la police ? Ou alors il vaut mieux avoir un revolver qu'une femme, parce qu'au moins sur un revolver on peut lui mettre un silencieux. J'aurais bien te dire quels sont tes droits, mais rien qu'à voir ta gueule, je pense que tu les connais. Et il y en a aussi des plus lestes qui sont très 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 drôles. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est très compliqué pour moi de faire un choix, parce que c'est un peu comme choisir entre tous ces enfants, comme on dit. Je les aime tous, hein, a priori, parce que je les ai mis dans le livre. Toutes me plaisent plus ou moins, quoi, voilà.